Et salut à tous. Premier bonus, bonus hunt, concept. On va voir si ça va payer. Il a démarré directement. Première colonne, c'est déjà bien, on va voir ce que ça va donner. J'ai 8 bonus, start 100. On va bien voir ce que ça va donner. Bonne chance à nous, commande. Prochain bonus, c'était pas fameux. Hein. Je dois avoir au moins x100 pour chaque bonus pour récupérer mon solde. À cette allure-là, on n'est pas gagnant. Machine suivante. Voilà, on a Dog House. Donc, en français, la niche pour un chien. On va voir ce que ça va donner. Un peu plus. Ouais. On n'a pas le setup minimum, au moins, c'est déjà bien. Quinze spin. Let's go. Prochaine machine, ce sera Big Bass Secret of Golden Lake. Et ben là, c'est vraiment pas fameux, une niche, c'est abusé quoi. Je la joue jamais, mais ça me donne vraiment pas envie de la rejouer. Ah oui, quoi. Tous mes bonus sont comme ça. On est vraiment perdant avec leur bonus hunt. Personnellement, c'est mon premier bonus hunt. Start 100, j'ai 8 bonus. Je pense que c'est déjà bien 8 bonus avec un start de 100. Mais non, c'est horrible quoi. Habitué au Big Bass, c'est vraiment pas mes machines. J'en ai joué quand même pas mal parce qu'il donne le bonus assez souvent. Assez souvent, il le donne assez rapidement, on va dire, comparé aux autres machines. Après, est-ce qu'il paye? Ça, je sais pas. Et voilà, la preuve 1,42. En général, les machines qui donnent des bonus vite, c'est des machines qui payent pas, en général, hein, de ce que j'ai déjà remarqué. Pas vraiment, quoi. Et, ou alors, il faut vraiment de la chance pour qu'ils payent. Bon, prochaine machine, c'est une autre Big Bass. Let's go. Voilà, deuxième Big Bass. Let's go. Deuxième, c'est ça, hein? Ouais. Thank you.
botte, ça c'est pour annuler. Ouais, putain. On a 14 spin, ouais, putain. J'aurais pu ne pas choisir le gros là. Je sais pas si ça change quelque chose. Bon, let's go. C'est pas ouf, on va pas se le cacher. En fait, ce que je reproche au bonus hunt, c'est que tu dois jouer des petites mises alors que tu démarres avec une grosse mise. Alors que si tu jouerais des grosses mises directement, bah tu gagnerais 10 fois plus vite des grosses mises. Que là, t'as une chance sur deux à chaque fois de te faire casser la gueule. Une spin, ok, 1x2. 5$ de récupérer, pourquoi pas. En plus, c'était le dernier spin, j'ai même pas capté. Il n'y a pas de poisson. Il y a un beau petit pêcheur, mais sans poisson. Je sais pas s'il y a des gens qui sont fans de Big Bass, mais franchement, je les déteste. Pourquoi je les joue? Ils donnent assez rapidement le bonus et on veut des bonus. Dernier pour le faire. Et ben non. 5,99. Je pêche, c'est notre meilleur bonus hein, quand on regarde. C'est notre meilleur bonus. Big Bass Old Spinner. C'est le meilleur bonus ça, si je me souviens bien. Ok, pourquoi pas, on a 5$ dans le diamant là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on refait ça 2-3 fois, ce serait cool. On sauverait un peu le bonus hunt, parce que là c'est vraiment pas fameux. Pas quoi, t'arrêtes pas là. Ah ouais, c'est toujours pareil, toujours pareil. On va pas se plaindre. Ça fait un fois combien? Avec la double chance, bah ouais, on nous a fait un fois 100. Voilà, on a un 10. Voilà, Doc Oz Multi-Hold, let's go. On a gagné 7 spins. On va voir si ça va payer. Hein. Il nous reste pas grand chose. 3 bonus et... On est loin, loin du compte. Très loin du compte. Pourtant, ça va encore. J'avais 8 bonus pour 100$. Ça
fait quand même. Voilà, c'est vraiment pas de chance. Hein. Pas de chance depuis le début. Non, c'est impossible de faire quelque chose. Impossible. 46 sous, ils vont payer. Parti à 20, mais quand même, c'est abusé. Abusé. Sérieux. Même pas une connexion. Même pas une connexion. C'est Doghouse, Doghouse Live. La dernière Doghouse, et après ce sera un Power of Thor Megaways. Ce sera la dernière machine, et on aura perdu 80 sur les 100. Donc c'est pas fameux. C'est le minimum qu'ils peuvent donner, hein, franchement. Alors 11. Cette machine, j'ai toujours l'impression qu'elle donne des retriggers à la fin, quand ça arrive, vraiment à la fin. Allez, si c'est possible qu'elle paye, comparé aux autres. Le meilleur bonus c'est 10. Pas ouf. Voilà. On arrive vers la fin, donc ils vont mettre encore une normalement. 5 dollars, c'est bien. C'est mieux que les autres en tout cas. Réunis ensemble. Dernière, juste pour dire, tu m'as fait un gain de 10 dollars, ok. Mais juste pour dire. Je sais que c'est souvent vers la fin qu'ils te mettent. Voilà, ça va être chaud. S'ils ne le mettent pas là, dernier spin, c'est mort. Le train, ils font un fois 50. Et là, c'est mort. C'est mort. En tout cas, c'est mieux que les autres spins, en tout cas. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Bien dit. 12 et 06. C'est vraiment dommage. Allez, prochaine Power of Thor Megaways. Let's go. Dernier bonus. Dernier bonus. On a Gumball encore. Ok, c'est les spins. Franchement, j'ai pas envie de Gumball. On a tellement un mauvais bonus là. Donc, 65 dollars pour être au start. Je pense pas qu'elle va faire 65 dollars. Vu les payes minables qu'elle fait aussi celle-là. 10 spins, on va pas aller loin non plus. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée de faire des bonus simples, on perd plus son argent qu'autre chose. Parce que si vous mettez 100 dollars, vous jouez à 1 dollar, c'est de plus grandes chances de faire des plus gros gains. Pourquoi pas. Okay. Le dernier moment, il nous remonte au start. Pratiquement. Hein. Pratiquement au start. Putain, il nous fait un paiement de 50 dollars. Incroyable. Les deux marteaux sont restés. Bon, je vous laisse Epic Win.
Mais ouais, c'est incroyable. Incroyable. Je pensais pas qu'elle allait payer celle-là. En même temps, c'était notre dernière machine. Elle avait plutôt intérêt de payer aussi, sinon on était dans la merde. Pourquoi pas, il reste un spin, pourquoi pas, mais j'y crois pas. Dernier spin, avec des wilds. Ah, dommage, l'autre il reste, je pensais pas qu'il allait rester. Je pensais qu'il allait partir. Ça va, franchement, 10 spins. Récupérer 52$, franchement. Juste pour dire back to back sur celle-là. C'est la seule qui nous a payé. Voilà. Bon, sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine. Et faites attention à votre argent. Parce que les bonus un, c'est pas ouf.